petit peu les trésors du week-end, ce qu'on a trouvé sur la brocante de Amiens, et aussi mes petits achats de ce matin. Alors donc effectivement, nous étions à Amiens ce week-end, donc sur ce que nous on appelle une raiderie, qui est en fait donc soit une braderie, soit une brocante, soit un vide-grenier. Et donc du coup on l'a faite et j'en ai profité pour aller faire un petit tour et j'ai trouvé des petites choses. Alors je vous ai pas tout ramené, déjà parce que mon fils a trouvé des choses, donc genre des BD, un globe avec encore l'URSS. Mais c'est vrai qu'il est hyper sympa, un petit peu vintage, je trouvais ça cool. Il l'a trouvé avec mon mari. Et moi, j'ai aussi trouvé un long gilet vraiment tout beau à 2 €. J'étais hyper contente. Là, je voulais surtout vous montrer les petites choses sympas qu'on peut trouver des fois sur les raideries, sur les braderies, et qui en plus coûtent vraiment rien et peuvent être vraiment pratiques, utiles et même jolies dans la maison. Donc en fait, je vais vous parler des bocaux. Alors bon, j'ai pas mal de bocaux, c'est vrai que je les utilise pour mes courses en vrac, je les utilise pour conserver ce que j'ai acheté en vrac. Je ne fais pas encore de conserve, mais dans l'avenir, on ne sait pas, je vais peut-être finir par me lancer. Et alors ma grande trouvaille, j'étais trop contente parce que j'ai du mal à en trouver d'occasion. C'est un très très grand bocal comme celui-ci. Donc là j'ai commencé à les laver, d'où la condensation à l'intérieur. Donc il est vraiment très très grand. C'est écrit spaghetti et pasta, celui-ci. Est fabriqué en Italie, il est vraiment très très grand. Donc les armatures, je les ai enlevées parce que elles sont un peu rouillées, du coup je vais les passer à l'acide citrique. Celui-ci est légèrement ébréché, mais en soi c'est pas très grave vu que je ne compte pas faire de conserve avec, mais juste conserver mes pâtes à l'intérieur. Je n'ai pas besoin que ça soit hermétique. Donc ce que je vous conseille, si jamais vous en trouvez, c'est tout simplement d'enlever le joint qui souvent est fort abîmé et d'en acheter des neufs, et tout le reste vous pouvez le garder, y compris l'armature. Si vous avez juste à racheter un joint, et ce genre de bocal coûte environ 50 centimes sur les brocantes, en sachant que vous pouvez en trouver encore moins cher chez Emmaüs. Donc ça a été ma grande découverte, j'étais trop contente. Ensuite j'ai repris plusieurs bocaux, bon j'ai pas tout ramené, hein, mais j'ai pris plusieurs bocaux Le Parfait comme j'avais déjà chez moi, vous voyez, de ce genre là, donc j'ai pris plusieurs tailles. J'en ai trouvé un notamment plus ancien, enfin je crois qu'il est plus ancien, où c'est écrit de cette manière Le Parfait Super. Vous voyez, c'est encore un peu différent de ce que l'on trouve actuellement, donc là c'est pareil, je les ai eu entiers avec les armatures. Et puis, enfin les armatures... Le système de fermeture quoi. Et puis j'ai aussi pris celui-ci, qui donc celui-ci est fabriqué en Italie également. Alors il est un peu différent, vous voyez, l'ouverture se fait un peu plus vers l'avant comme une bonbonnière. Je trouvais ça hyper joli, super mignon. Voilà, je l'ai pris, c'est pareil, 50 centimes, en sachant qu'il y a des gens, voilà, des personnes qui ont arrêté de faire des conserves, qui vendent des fois de très très gros lots. Il m'est même arrivé d'en trouver des fois dans la rue, gratuitement, des personnes jetaient leurs bocaux, et en fait, l'avaient mis devant chez eux. Il ne faut pas s'arrêter vraiment à l'aspect, ça se lave très très bien parce que c'est du verre, ça vieillit très bien, ça se conserve très 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 bien. On le nettoie un petit coup au vinaigre si c'est nécessaire. On nettoie la rouille et franchement ça repart, on peut les réutiliser. Ensuite, chez ma belle-mère, j'ai trouvé d'autres petits trésors, notamment ceci. Donc ça appartenait aux grands-parents de mon mari, ce sont des coupes à champagne Marie-Antoinette. Alors déjà moi je trouve ça hyper élégant, hyper raffiné, je trouve ça vraiment hyper hyper joli. Alors je sais pas trop ce que ça donne au niveau du vin, du champagne, des saveurs, etc. Il me semble que les puristes n'aiment pas boire là-dedans, honnêtement j'en sais rien du tout. Et moi je n'en bois pas, donc je peux pas vous en dire davantage. En revanche, je trouve ça joli, et puis surtout ça a traversé les années, ça a traversé les générations, je suis super contente d'avoir ces 6 coupes chez moi. Je trouve que c'est vraiment hyper hyper joli, hyper raffiné, et puis je suis contente d'avoir encore quelque chose des grands-parents de mon mari, parce qu'on a plusieurs choses ici, on a un cadre, on a une table, et puis bah, ça n'a que plus de valeur. Toujours chez ma belle-mère, elle m'a filé ceci. Alors ça c'est pareil, j'étais trop contente parce que voilà, déjà l'année dernière j'avais dit à mon mari que je voulais passer sur un moulin mécanique à grains de café, et puis bah, je trouvais pas ce que je voulais, j'en ai trouvé d'occasion mais ils me vendaient cher, genre 15 €, etc. Enfin bref, et puis hier j'en discutais avec ma belle-mère, elle dit ah bah attends, moi j'ai mon vieux moulin électrique, je pense que ça a été l'un des premiers moulins électriques. Elle dit je l'ai gardé, c'est un cadeau de mariage. Elle dit par contre pourquoi tu veux faire ça? Je pense qu'elle comprenait pas du tout que je voulais faire ça, alors que pour eux le café moulu ça a été une vraie révolution. Ils ont arrêté de se galérer, ça a été la première chose qu'ils ont jeté, ils ont filé acheter un paquet de café moulu.
Mais voilà, je lui ai dit que je voulais pouvoir acheter un peu plus en vrac parce que c'est quand même plus simple d'acheter des grains en vrac. Et puis avoir un café avec plus de saveur. Et pour ça, eh ben, il faut s'en occuper le matin et juste la quantité de grains qu'il faut. Du coup, elle m'a filé ça, je suis trop contente. Donc c'est un Moulinex, on l'aperçoit encore ici. Il est vraiment vintage, je suis trop contente. Ce matin, je suis allée au marché local. Donc j'ai pris des petites choses de saison. J'ai notamment pris deux courgettes. Une botte de carottes. Donc là, cette fois-ci, je l'ai laissé couper les fans parce que je savais que j'allais pas les utiliser. Du coup, va falloir que je les mette vite sous vide pour pas qu'elles pourrissent parce que dès qu'on coupe les fans, la maturation s'accélère. Donc voilà, je vais les mettre sous vide pour plus que ça bouge. Une botte de radis, des oignons. Et je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris une barquette de fraises. Alors, sur les marchés, c'est un peu compliqué d'avoir des fraises en vrac. La plupart du temps, c'est dans une barquette en plastique. Mais je rapporte toujours au moins mon sac. En fait, j'ai plusieurs sacs en craft comme ça que je réutilise, comme je vous le disais précédemment. Et comme ça tâche, je ramène d'office le mien, sinon il va vous le mettre dans un sachet. Et si vous n'en avez pas, ça va être compliqué parce que ça, c'est un peu fragile des fraises. Donc une jolie barquette de fraises, en sachant que vous pouvez récupérer la barquette si vous le souhaitez. Donc là, je l'ai payé 3,80€ et elles sont locales. D'ailleurs, concernant les fruits et légumes, je n'achète qu'une petite partie en bio. Finalement, j'en achète de moins en moins parce que c'est très onéreux et l'agriculture raisonnée me convient. Donc je vais au moins une fois par semaine sur le marché local et j'achète tout ce dont j'ai besoin, notamment les pommes de terre, les carottes, la salade, c'est un peu la base et on sait produire ça par ici. Donc j'en profite, il n'y a que quelques petites choses que je prends encore en bio selon les saisons ou si j'ai pas trop confiance. Je préfère quand même prendre les pommes en bio par exemple, même si je sais qu'ici on a de l'agriculture raisonnée. La pomme, il semblerait qu'elle soit beaucoup aspergée, donc j'essaye de la prendre plutôt bio. Mais je vais de plus en plus sur les marchés pour tout ce qui est frais et ce qui est transformé. Je vais en boutique bio et du coup, je trouve que c'est quand même plus abordable parce que plus le temps passe, plus le bio, en tout cas pour moi, me semble onéreux. Et honnêtement, je trouve ça très bien. Comme je vous le disais, c'est aussi un plaisir de se rendre sur le marché. Il y a un contact avec le producteur qui est hyper agréable, donc en tout cas que moi j'apprécie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis à très bientôt. Bisous.